Si vous avez toujours rêvé d'être un agent double et d'infiltrer le crime organisé de Hong Kong, Sleeping Dogs est le jeu parfait pour vous. Dans ce jeu de type open world à mi-chemin entre Grand Theft Auto 4 et Saints Row the Third, vous incarnez Wei Shen, qui revient dans sa ville natale de Hong Kong après avoir passé quelques années aux États-Unis, où il est devenu policier. Dans le but de venger la mort de sa sœur, il accepte d'infiltrer un des gangs les plus dangereux de Hong Kong et de le détruire de l'intérieur. Mais cette tâche ne sera pas particulièrement facile, étant donné que les membres du crime organisé soupçonnent qu'il est un agent double et ses supérieurs de la police croient qu'il s'attache trop à ses amis criminels et qu'il est en train de devenir un des leurs. La ligne qui existe entre le crime et la loi sera très mince et c'est en grande partie la raison pour laquelle l'histoire de Sleeping Dogs sera captivante jusqu'à la dernière seconde. Dès le début, on peut sentir que la ville de Hong Kong vient jouer un grand rôle dans l'atmosphère du jeu. C'est rafraîchissant d'évoluer dans une ville qui n'est pas obligatoirement située aux États-Unis. D'ailleurs, les amateurs de films d'action chinois se retrouveront dans un univers familier, car le système de combat à main nue prend une grande place dans l'action, et ce dernier est extrêmement précis et très agréable à utiliser. Même s'il est un peu difficile d'approche au tout début, une fois maîtrisé, on devient pratiquement invincible. Et il faut le dire, c'est excessivement divertissant d'utiliser les objets de l'environnement pour éliminer nos ennemis. Il faut préciser qu'il y a aussi des échanges de coups de feu, mais ceux-ci sont un peu plus rares que dans les autres jeux du genre, ce qui ne les rend pas moins efficaces. Au contraire, les combats à l'arme à feu demeurent toujours intéressants, grâce entre autres à un système de couverture et de ralenti à la Max Payne. Chaque mission que l'on accomplira, que ce soit celle reliée au crime organisé ou à la police, nous donnera des points d'expérience que l'on pourrait utiliser pour améliorer les habiletés de notre personnage. En faisant attention de ne pas tuer d'innocents pour respecter les principes de la police et en brutalisant nos ennemis, on obtiendra davantage de points d'expérience, ce qui nous oblige à être très attentifs lors des poursuites à grande vitesse dans les rues de Hong Kong. En plus des missions principales faisant avancer le scénario, il y a plusieurs missions secondaires et des activités que l'on peut effectuer. Que ce soit d'aller chanter dans un karaoké bar ou de faire de la course urbaine, on sent que la ville de Hong Kong est vivante. Les nombreux objets collectionnés dispersés aux quatre coins de la ville rendront l'exploration plus qu'intéressante et viendront allonger la durée de vie du jeu, qui est d'ailleurs assez bonne. Un peu plus d'une vingtaine d'heures de jeu seront nécessaires pour terminer l'histoire et trouver tous les objets cachés. Si les poursuites en voiture sont très divertissantes et le système de combat est excellent, Sleeping Dogs possède aussi ses problèmes. Précisément, au niveau de l'angle de vue de la caméra qui n'est pas toujours efficace dans des endroits étroits. Aussi, l'angle de caméra utilisé quand on embarque dans un véhicule ou que l'on recule avec un de ces derniers n'est vraiment pas approprié. Oui, le style est intéressant et ça donne un côté cinématique à l'expérience, mais pour ce qui est du côté technique, ça ne fonctionne pas tellement bien. On ne sait pas où on s'en va, et on finit souvent dans un mur ou dans un objet du décor. Que ce soit lors des échanges de coups de feu ou de l'exploration de la ville, les actions prédéfinies où on peut sauter par-dessus un objet ou s'agripper à un élément du décor ne se font pas toujours sans problème. Mais généralement, c'est assez réussi. J'ai particulièrement eu beaucoup de plaisir lors des poursuites à pied. Si le visuel n'est pas parfait, en partie à cause des quelques problèmes d'affichage à l'horizon ou les textures qui s'affichent un peu en retard, on peut toutefois affirmer que Hong Kong est bien rendu. Ce n'est pas une copie conforme, mais l'atmosphère particulière de la ville est présente dans le jeu, et c'est sans aucun doute dû au nombre de détails impressionnants présents dans les environnements. Ce n'est pas le plus beau jeu auquel j'ai joué cette année, mais le graphisme est tout de même efficace. Pour ce qui est du son, on a droit à une trame sonore diversifiée, incluant des chansons connues et des titres instrumentaux qui se fondent bien dans l'action. Il n'y a pas de mode multijoueur dans Sleeping Dogs, mais il y a un système de classement où on peut comparer nos diverses performances à celles de nos amis. Sleeping Dogs est une des grandes surprises de l'année 2012. L'histoire captivante, l'excellent système de combat et les nombreuses missions et activités que l'on peut effectuer sont assez de bonnes raisons pour oublier les angles de vue de la caméra pas toujours efficaces. Sleeping Dogs fait définitivement partie de mes jeux préférés cette année. Vous pouvez me suivre dès maintenant sur Facebook et Twitter. Les adresses sont dans la description de la vidéo.